Liberté conditionnelle, les gars! Trop? Pourquoi il fait sortir tout le monde? Je vais aller au centre de contrôle pour évaluer la gravité de la situation. Ok, je m'incruste à la fête. Alors vous allez tous regagner gentiment vos cellules et fermer la porte derrière vous, d'accord? S'il vous plaît! Surtout, je vais trouver ta plaque dans l'araignée! Dans une prison avec tous les criminels. C'est bien trop beau pour être vrai. Scorpion, tu peux attendre une minute? Je suis en train de parler au téléphone, c'est pour le boulot. Ça a coupé quelques secondes. Vous allez bien? Non, pas vraiment. Electro, Rhino et maintenant Scorpion sont en liberté. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de la prison? La vidéosurveillance est presque rétablie. Je vous fais un point très bientôt. Ok, je continue à poursuivre Electro. Comment tu trouves mon nouveau costume? Très classe. Où tu l'as eu? Je suis membre d'un club.
On n'est même pas obligé de se battre, hein, si vous voulez pas. Oh, mais on emmerde en vie. Oh de nos affaires. Vous avez tous reçu une mission. Vos dettes seront réglées quand ce sera fini. Partez! Toutes ces années, tous ces mensonges. C'est fini, Norman. Ils vont savoir la vérité. Mais, tout va bien? Oui, ça va. Pourriez-vous distribuer ça à ma place? Oui, bien sûr. Mais les experts travaillent jour et nuit pour trouver un remède au virus. La quarantaine de la ville est appliquée avec autorité. Par Sable International, qui assure fermement la sécurité de tous les points d'accès. À travers la ville, la police et les agents de Sable luttent toujours contre les évadés du Raft et de Riker. Pendant ce temps, le maire Osborn a publiquement accusé Spider-Man d'avoir causé l'évasion et l'épidémie, avant de le qualifier de fugitif. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Beaucoup pensent que le maire cherche à fuir ses responsabilités, depuis qu'une enquête du Bugle a révélé que le virus qui se répand dans la ville a été créé dans un laboratoire secret et clandestin d'Oscorp à Manhattan. Le maire Osborn assure qu'Oscorp travaille en ce moment... Éteignez-moi ça ! ...sur un sérum, mais là encore, aucune preuve n'est venue confirmer ses déclarations. Docteur Octavius, pourquoi ?
Comment ça a pu arriver? L'hôpital vient de me téléphoner. Ils disent que vous vous êtes enfui. On n'a pas de temps à perdre. D'après les médecins, vous avez 14 os encore cassés, au moins. Ouais, autrement dit, j'en ai encore 192 intacts. Et merci pour votre aide, au fait. Le plus dur a été de vous cacher aux yeux de Sable. Ils vous ont catalogué comme cible prioritaire, vous savez. Je le prends comme un compliment. Qu'est-ce qui arrive à notre ville, Yuri? J'en sais rien. Ça ressemble à la fin du monde. C'est peut-être ça.